Bonjour Ismaël. Bonjour Mario. Alors Ismaël, tu es arrivé de chez DNCA depuis une grosse année maintenant. Tu gères le fonds DNCA Crédit de Conviction, qui se porte d'ailleurs très bien depuis le début de l'année, si je ne me trompe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc DNCA Crédit de Conviction, comme c'est, son nom l'indique, c'est un fonds qui est focalisé sur les marchés de crédit. Donc nous, notre idée, c'est d'extraire de la valeur sur les marchés obligataires et notamment les obligations d'entreprise. Mais ce qu'on va apporter aux clients, c'est aussi une gestion très active de la duration, qui est quand même un facteur primordial sur les marchés obligataires, et aussi une gestion très active du risque crédit dans son ensemble. Alors quels sont les différents moteurs de performance ? Du coup, les différents moteurs de performance, la duration. On a une plage de duration qui va de moins 2 années à plus 7 années. Donc ça, c'est quelque chose qui nous apporte énormément de valeur, notamment dans des marchés baissiers. On a réussi dans le passé et même aujourd'hui à protéger la performance et à générer de la surperformance par rapport aux compétiteurs. Et sur les marchés de crédit, c'est un fonds de conviction, donc beaucoup plus concentré uniquement sur les noms qu'on considère ayant de la valeur pour nos clients. Et finalement, à l'instar de la duration, une gestion assez active de la gestion du bêta crédit. Alors Ismaël, tu n'as pas de boule de cristal bien sûr, mais comment tu vois la période à venir ? Alors pour nous, la période à venir devrait rester quand même volatile. Il y a pas mal de risques dans les marchés, que ce soit des risques géopolitiques, des risques de dette d'État, de gouvernement, on le voit bien en France. Donc une grande vigilance sur la stratégie. J'aime jamais guider sur des rendements futurs sur notre stratégie, puisque c'est une stratégie flexible. Par définition, on va s'adapter à l'environnement de marché. Mais finalement, quand on regarde les politiques des banques centrales, la qualité des sous-jacents, des obligations d'entreprise, je suis assez confiant et je pense qu'on devrait délivrer des rendements très intéressants pour les porteurs. Merci de cette présentation. Et un beau patrimonial à toute l'équipe de DNCA. Merci. Merci.